Ouais, c'était qui, frère? T'as même pas de masque, t'es infecté ou quoi? En fait, là, peut-être que l'air, là, tout de suite que tu viens de respirer, il est infecté. Oh, t'es malade, là. Comme ça, on est sûr. Ah, mais t'as un test PCR? Négatif? Test anal? Parce que moi, il m'a dit, mon médecin généraliste, que ça marchait plus, les tests PCR dans le nez, que c'est anal. Moi, il me le fait tous les 3 jours. Là, j'étais en train de faire mon petit sport. Ah, je fais mon sport parce que là, je ne laisserai pas aller pendant le confinement, tu vois. Ah, tu savais pas qu'il y avait un reconfinement? Ils vont encore nous la foutre? Bah non, moi, du coup, cette fois-ci, j'ai tout prévu. Je me reprends un physique d'athlète. J'ai prévu les courses aussi. Tout le temps, il y a un problème pour ce tutor et... Moi, cette fois-ci, je me laisserai pas abattre. C'est vrai que ça fait un an que le Covid, il essaie de nous la mettre, quoi. Et qu'il stoppe tous nos projets, tu vois. En vrai, le Covid, ça a tué tous nos projets depuis un an, tu vois. Ouais, et quoi comme projet? Il y a plein de trucs. Moi, j'avais plein de trucs à faire, hein. Moi, j'avais des tonnes de trucs à faire. Par exemple, là, en vrai, j'aurais pu faire des concerts, tu vois. Pour mon premier confinement, tu vois, je me suis lancé dans la musique. Puis je te fais à ce côté. Moi, j'ai toujours rêvé d'être disque jockey. DJ. Tu vois, je vais te montrer ma dernière compo. En vrai, si les boîtes étaient ouvertes, ça aurait... Mais pouah, ça aurait cartonné, quoi. Ah, ça, c'est... Disque jockey. Ça renvoie. DJ. C'est le DJ. Écoute comment ça bounce. Le disque jockey. DJ. Tu vois un peu comment ça renvoie? C'est un disque jockey. DJ. C'est des disques jockeys. Ah putain, si le Covid il était pas là, comment ça enverrait ça? Oh, dans l'espace direct, mon pote. Ouais, il commence sérieusement à nous faire chier, à nous enlever toutes nos libertés. Hein. Couvre-feu à 18h, t'as entendu cette merde? À 18h, qu'est-ce que tu veux que je foute? Moi, tu crois que j'ai envie de rentrer chez moi? J'ai envie d'aller boire un coup avec des copains. T'as des copains? Mais c'est pas la question. C'est pas du tout la... C'est parce que j'ai pas le choix. C'est ça qui me fend le cœur. C'est qu'on n'a plus le choix de quoi que ce soit. T'as lu la notion de la liberté de Nietzsche? Et puis, tu peux plus rencontrer personne aussi. Des meufs. Comment tu rencontres des gonzesses? Tu peux plus voir de gonzesses, en fait. C'est foutu. Après, ouais, tu me diras, ouais, on n'est pas confiné tout le temps. Dans la rue, y a moyen de trouver son bonheur. Moi, je vais te dire non, Je me balade tranquillou, à recherche de nana. Donc, je croise une meuf très jolie, regard perçant, tu vois. Elle avait son masque. Je pensais que j'allais passer la nuit avec Kate Moss. Elle retire son masque, c'est Zlatan. Tu crois que j'ai envie de passer ma nuit avec Zlatan? Ça, c'est un fléau. Voilà. Tu vois les yeux de la nana, tu te dis why not? Tu te dis why not, finalement, pourquoi pas? Bon. Tu connais voilà ces gros mythes? Moi, tu vois, je vais pas te mentir. Moi, je vais pas te mentir, pour ça, j'ai trouvé un peu la solution quand je me suis préparé un petit peu avant le confinement. Tu dis rien. Ta gueule. Ferme ta gueule! Ça reste entre nous. Sinon, toi, tu vas faire le vaccin? Mais tu. Tu me prends pour un con, toi, hein? Bien sûr que non, je préfère le vaccin. Tu sais ce qu'ils foutent dedans? Bah non. Bah voilà. Moi, en fait, j'ingère pas des trucs dans mon corps qui pourraient être toxiques, tu vois. Ou des trucs que je sais pas ce qu'il y a dedans. On a aucune idée de ce qu'on va foutre dans notre sang. Puis tu te rends compte? J'ai pas du tout envie d'avoir un cancer à cause d'un putain de vaccin. Tu vois ce que je veux dire? Disque jockey. DJ. DJ. C'est un disque jockey.